tous, bienvenue sur French Grip Channel. Vous le reconnaissez, je suis avec Stan Koro. C'est déjà ta troisième vidéo, tu sais que t'es mon invité préféré. Bah, c'est normal, il a une belle école. On en marre à la fin. Il a une belle école, il a des belles batteries, il joue bien, donc il n'y a pas de raison. Et puis c'est un pédagogue, c'est un éminent pédagogue avec plein d'élèves, il reste deux places à l'école. Donc si vous voulez savoir, bah, vous cherchez. École de batterie Stan Koro, c'est à Fréjus, c'est avenue de Verdun. Fréjus, c'est bien ça? Ah non, c'est l'avenue parallèle à l'avenue ouais, de Verdun. C'est l'avenue parallèle. Il connaît même pas Henri Badon. Henri Badon. Il connaît même pas sa propre adresse, c'est incroyable. Avenue Henri Badon à Fréjus, il reste de la place, donc bah, n'hésitez pas, il reste un tout petit peu de place. Puis après, ça peut, tu peux bricoler peut-être un peu. Tu oui, je peux débrouiller, on vient la nuit. Les jours fériés, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on est sur un kit Sonor Designer avec une série de cymbales Istanbul, avec plein de trucs. Il n'y a pas que des Istanbul, je crois que tu as une ride HHX, c'est ça? J'ai une ride HHX, ouais. Voilà, de chez Sabian. Coucou Sabian. Ouais. Et là, normalement, avec le 7 là-bas. Pardon, je t'écoute. Ouais, non, mais tout. Qui va avec HHX de là-bas. On est entre nous maintenant. qui va avec le 7 HHX qui est sur la batterie d'à côté, que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, où on vous montrait tous les kits de batterie qui sont disponibles dans cette école, parce que c'est vraiment des super kits. Il y a 4 kits à l'école, et ça qui est bien, c'est que les élèves peuvent venir et choisir sur voilà. Lequel des trois kits en oui. Dehors de celui du patron derrière lequel tu es actuellement ouais. Sur lequel des trois kits qui sont donc une Mapex Saturn, une DW Design et donc cette Gretsch Catalina mais en configuration John Bonham, donc 26, 14, 16, 18, donc c'est pas rien. Donc si vous êtes un élève qui fait 2 mètres, ben c'est bon, il y a la batterie faite pour vous. Ouais, c'est bien ça. D'ailleurs, le mec qui te l'a vendu fait 2 mètres aussi. Hein. Oui, même un peu plus. Hein. Ouais, Jean-Cyprien, qui est l'ancien batteur des Rita Mitsuko, époque voilà. Où Fred Chicha est encore parmi nous. Et c'est la batterie qui a fait la dernière tournée des Rita Mitsuko. Ça, c'est assez rigolo comme anecdote. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et ben, aujourd'hui, on va faire ben, tout simplement la suite de la première vidéo parce qu'on avait évoqué tout un tas de rythmes à connaître. Des rythmes qu'il est bon de maîtriser quand on est un batteur qui se veut complet, performant et qui peut jouer assez rapidement dans un orchestre ou dans un groupe. Et on n'avait pas eu le temps, évidemment, d'aller jusqu'au bout de la liste interminable que tu avais faite. Et on va faire ça, et aussi on va se dérouter un petit peu. Vers les rythmes du monde, tu m'as dit. Ouais. Moi, j'aime bien ça aussi. Alors, les gens, ils disent world music, mais c'est pas vraiment ça. On va passer un petit peu par l'Afrique, un petit peu par la Réunion. Forcément, la Réunion. Ouais, forcément, parce que bah, c'est là où on prend des gifles. C'est une terre sur laquelle tu as vécu 9 ans. Ouais. 9 ans, ouais. 9 ans. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, je pensais savoir jouer de la batterie et j'ai vite vu que non. D'accord. J'ai vite vu que non, pas vie. Et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et c'est des petits détails, mais ça fait du bien de les connaître. Après, on va aller en Amérique du Sud, un petit peu, avec des musiques un peu latines, un petit peu de reggae. Pour, en fait, parce qu'une fois qu'on mixe tout ça, ben, là, on peut vraiment se forger sa propre entité, quoi. C'est ça qui est chouette. Puis ce qui est bien, c'est que c'est des choses qui, évidemment, peuvent être poussées très loin dans à peu près tous les domaines. Mais c'est vrai que c'est bon d'avoir quelques bases parce que bah, ouais. Des fois, tu vas être dans un groupe et tu vas avoir besoin de... Bah, peut-être une compo va dire que bah, ça va s'orienter plus bossa. Alors le guitariste va voir de quoi il parle. Mais toi, si tu sais pas jouer une bossa, même pas des prémices de bossa, tu vas être... Mais qui... Je sais, parce que j'en suis le premier coupable. Moi, si tu me demandes de jouer une bossa, je vais te dire ouais. Ben, les trois quarts des gens, de toute façon, la bossa, il a joué, mais ils appuient ça comme un rythme normal, alors que c'est tout léger, tu vois, rien que ça. Voilà, si tu le sais pas, bon, ben, ça marche pas, quoi. Pas ça du tout. Une bossa avec un super son. C'est live. Bah écoutez, voilà, c'est de tout ça qu'on va essayer de faire à peu voilà. Près le tour aujourd'hui. On a une heure pour faire ça. Bah écoute, je te laisse te lancer sur le domaine de ton choix. Je ne sais pas à l'avance de quoi il va parler, je ne sais pas dans quel ordre. Il a une feuille, il a des trucs dans la tête. Ouais, c'est un peu moins drivé que la dernière fois, mais on va y arriver quand même. Le premier truc qu'on va faire, c'est... ça, c'est un petit échauffement. La dernière fois, on avait vu la samba pour s'échauffer. Tout à fait, ouais. Là, je me sers d'un... C'est pour travailler la dynamique, en fait, la dynamique de la grosse caisse. Très important, parce qu'on n'y pense pas souvent, la dynamique de la grosse caisse. Ouais. Si vous voyez les vidéos de Thomas Lang, il vous explique que c'est très important, la dynamique de la grosse caisse, alors qu'il y joue des milliards de notes, lui. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que la grosse caisse, on a tendance à jouer soit talon posé, soit talon levé, mais toujours à la même puissance. C'est ça. Alors qu'on peut faire plein de trucs, ça parle, ça. Bah bien sûr, c'est le plus gros fût de la batterie, donc c'est dommage de ne pas se servir.
Et du coup, en fait, je me sers d'un... C'est un solo qu'on peut trouver sur YouTube de Tony Williams. Enfin, c'est une partie du solo. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, il se sert de ça. Il fait quelque chose de régulier entre ça et ça. Il met de la rythme dessus. Hein. Et en fait, il phrase avec la grosse caisse une fois tout doucement, une fois très fort. Il fait une cassure. Avec le tome, on fait ce qu'on veut. Hein. Et il redescend au seuil où il était. Et c'est super sympa pour commencer la journée puisqu'il est... On va dire 10h, allez, entre. Allez, on est là depuis un moment. Alors, ça commence comme ça, cette histoire. C'est ça. Donc, Charleston, caisse claire. Le temps, il est sur le rimshot ici. Et puis, c'est bon. Un exercice d'indépendance pas évident. Je l'ai pas vu comme ça, mais c'est vrai. C'est un exercice d'indépendance pas évident. Ouais, parce que t'as quand même un phrasé sur la ride qui est pas simple, c'est pas droit. C'est des doubles, ouais, c'est des doubles. C'est pas droit, et en fait, le problème, c'est d'arriver à coordonner tes pieds. Donc, ouais, bah c'est de faire abstraction, enfin pas abstraction, mais de mettre ça de côté, tout ça, et de vraiment penser qu'est-ce qu'on peut faire avec une grosse caisse de jolie. Justement avec ces nuances-là. Mais c'est vrai que la phrase est super. Enfin, la phrase est chamée, pour employer un terme jeune de moins de 30 ans. Mais après, à expliquer, c'est vite fait. Hein. T'as le shot sur le temps, lui, il est sur le et là, c'est les trois doubles. Tididing. Ben écoutez, essayez chez vous. Hey, premier truc, c'est le matin. Hein. Premier truc, déjà, le mal de tronche s'installe. C'est bon signe, moi j'aime. Non, je refais un tout petit coup si vous voulez, donc il y a ça. Je te promets de m'y mettre. Je vais y mettre. Je me suis mis à la samba la dernière fois. Là, je vais me mettre à ça. Je continue les blast beats, les plans de double à 240. Ouais. Vous inquiétez, je fais. Ça, c'est bon. Mais ça, je vais m'y mettre. Parce que je grimpe en âge. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que j'apprenne des trucs intéressants. En plus des trucs rapides et des trucs sauvages. Il faut que j'apprenne aussi des trucs intéressants. Ça fait partie des trucs intéressants. Merci. Ouais, mais c'est Tony. Non, c'est Tony. Mais bon, Tony, il est mort. Et comme tu disais la dernière fois, c'est important quand même de préserver ces choses-là. Ouais, ben ouais, parce que c'est en fait, il fallait juste le trouver, c'est tout comme tout, hein. Fallait juste trouver cette idée-là de phraser avec la grosse caisse. C'est tout con, mais faut y penser. Et lui, il le fait vraiment, c'est où caviar. C'est où que tu trouves ça quand C'est une vidéo qu'on m'avait envoyée, elle doit y être sur YouTube, il joue sur une DW jaune. Avec des cercles rouges. Voilà, c'est ça. Ou orange. Et les coquilles sont énormes comme ça. Et elles sont de couleur. Elle est belle. Ouais. Faut l'assumer, mais elle est belle. Et il est prostré comme ça dessus. Et il a des bras comme as, machin. Et en fait, il joue tout léger. C'est super rigolo. C'est vers la fin de sa vie, ça. Oh, il a déjà 60 et quelques années, je pense. Enfin, je crois. Hein. Mais il est mort jeune. Hein. Il est mort. Dans sa zola, même pas. Oui. Même pas. Hein. Pas dire trop de bêtises quand même. Mais oui, vers la fin, on dira vers la fin, c'est plus précis. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour s'amuser en fait, hein. Puis ça permet de tester ses idées, puis de s'en créer d'autres. Là donc on va partir un petit peu, pareil, c'est toujours pour étayer nos propres grooves, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie des fois de faire autre chose. Et moi, ce qui m'a fait passer à autre chose, c'est ce qu'on appelle le wawonko.
Qu'est-ce que c'est? J'adore le nom d'ailleurs. Le nom est génial. Tu le vois beaucoup. Mais tout le monde connaît ce truc. Hein. C'est africain, le Guarunco. C'est ça. Alors lui, c'est moi qui l'ai rajouté, il n'y est pas normalement. Mais bon, ça fait du bien. Donc tout le monde fait ça, on l'entend à la radio, ce truc-là. Ah, mais même dans des morceaux extrêmement pourris de musique moderne. Et on dira pas qui c'est, puisqu'il est assez connu. Oh, il a pas besoin qu'on l'aide. Voilà, et là-dessus, en fait, il y a un placement de. Il y a des doubles ici, encore, hein, par 3, comme d'habitude, qui sont placés sur le 1, 2, 3, il n'y a pas la quatrième. Et le petit rimshot, eh ben, pareil, il est placé vraiment de belle manière, moi j'aime beaucoup. Et après, tout ça, on peut l'extrapoler, bien sûr, mais il faut déjà connaître ce truc-là. Et puis c'est tout, on va jouer. Allez, on y va. Alors, ça donne. Wawonko, ça c'est africain, c'est probablement zaïrois, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais je sais que les batteurs zaïrois sont super réputés, il y a une histoire comme ça, j'ai entendu parler de ça, il y a beaucoup de batteurs africains, en fait il y a beaucoup de percus là-bas, et des choses que, c'est comme en Inde, c'est des choses que nous on comprend pas en fait au départ. Au départ on dit comment ils placent ça, et puis en fait ça, comme tout ça se fait, mais c'est intéressant. On l'occidentalise pour le comprendre. Exactement. En fait, c'est ça qui se passe. Et ça je t'en reparlerai tout à l'heure, parce que j'ai un exemple monstrueux à ce propos-là. D'occidentalisation, ouais. D'accord. Ouais. Ou de la manière dont nous on entend les choses, et de la manière dont les autres entendent les choses. Les autres, tous les autres, hein. De toute façon, il y a plein de solutions différentes. Mais ce sera tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est le Guarunco. Je suis tout ouïe, voilà. D'ores et déjà. Et voilà, pour faire des petites nuances dans une chanson, ça peut passer en rock, ça peut passer toujours dans l'esprit composition, ça passe partout, ce machin-là. Bien sûr, ouais. Voilà. Alors ensuite, Tony Allen, on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Maître de l'afrobeat. Voilà. Qui a viré quasiment tous les étudiants de son masterclass à La Réunion, et tu as été sélectionné. Ouais. Tu es resté, toi? Ouais, parmi les trois. J'ai flippé, hein. Mais voilà. Et t'inquiète, c'est normal. D'accord. C'est de la logistique simple, mais. Efficace. Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'afrobeat, ça c'est. Moi, je pense qu'il faut le connaître aussi, parce que ne serait-ce qu'au niveau coordination, c'est cool. Et toujours, il y a le Charleston par 3, hein, on dirait 2, 3, enfin les 3 premières doubles encore. Hein. Et il faut le jouer sur de longues plages, en fait, c'est là que ça devient agréable, parce qu'on commence à se sentir bien dedans. Puis c'est un peu de la musique de trance, comme le Guarunco, ça se joue longtemps, quoi. Et le mec, il va jouer ça 2 heures. Quoi. Puis au bout de 2 heures, c'est vrai qu'on se sent tout bizarre, démonté. Ouais. C'est hypnotique. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était pour ça. Alors, pour le... Je vais prendre le plus connu. Je me suis fait un petit truc, là, t'as vu. Ça, c'est ce qu'on a appris en 2 jours. Tu vois, en 2 jours, on a fait ça. Une page. Une page, il y a 6 grooves. Incroyable. Et moi, je pensais que ça faisait pas beaucoup, mais en fait, c'est moi qui les ai écrits, lui, il avait rien écrit. Et en fait, tu fais tourner ça 2 heures, t'es mort après, quoi. Ah oui, bah t'es oui. Mort. T'es mort. Donc voilà. Alors, le premier, Fastoche, donc on a dit.
tout le temps la même chose et ça se joue, bah, tu as bien vu, ça, il ne faut pas le taper. Si tu tapes, ça perd tout le charme du truc. Quoi, en fait. On ne peut pas accentuer, il ne faut rien accentuer. Voilà, c'est juste quelque chose qui se joue en une sonorité de fond, tu vois, ça en fait un fond musical. Et ça, ça sert à, c'est pour accompagner des chanteurs, ça? Ouais. Ouais, ouais. Parce que je... Alors, figurez-vous que parmi les rares chantiers d'intermittence du spectacle qu'il y a eu cet été, il y a eu une espèce de version light du Nice Jazz Festival. Et ils avaient mis tout autour du théâtre de Verdure des grandes affiches de figures de la musique qui étaient passées. Et justement, il y avait une photo de Tony Allen, qui était le seul batteur représenté. Ah bah ça m'étonne pas, ouais. C'est aussi une icône. Hein. C'est une icône et puis il est mort récemment, donc c'est pour ça qu'ils lui ont rendu hommage. Et c'est marrant parce que quand on voyait la manière dont il installait sa batterie, c'était assez rigolo parce que les tomes étaient très écartés. Enfin, ah bah oui. c'était assez bizarre, ouais. Moi je l'ai vu jouer sur le... Il avait pris une Pearl, je crois que c'était en dessous d'Export, c'est Forum. C'est pour Forum, ouais. Forum. Ben écoute, le truc pas accordé et tout, puis ils montent ça vite fait avec les tomes comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ils s'en foutent parce que de toute façon, ils s'en servent pas beaucoup des tomes. Mais ben, dès qu'il a commencé à jouer, j'ai compris. Ben... J'ai compris qu'il fallait pas l'emmerder, quoi. Et puis, si tu voulais rester au stage. Voilà, en plus. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, si le premier que j'ai joué là, après, si vous voulez, on pourra faire une photo de la feuille. Hein, on partagera la feuille pour que vous voyez un petit peu la partage. Tout le monde connaisse ça. Et il me disait, si tu les appuies, donc on les sort du contexte, et ça peut devenir du funk, ça peut devenir plein de choses. Ça peut devenir des moments de transition dans des morceaux, c'est super, donc on va faire le test. Je joue un peu n'importe quoi, je fais une descente. Donc... Ça peut coller même complètement. Ça dépend comment mais tu peux construire un pont de morceaux avec ça, tu peux faire des tonnes de trucs, des transitions. C'est génial en fait. C'est pour ça que ça apporte vraiment de la matière, de la caisse à outils, hein, qu'on disait. Tout à fait, ouais. Voilà, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Bon, ça n'a pas l'air évident par contre. Pour le faire tourner proprement, il va falloir le travailler un petit peu. Il faut le jouer, Et puis surtout, il faut aimer ça. Quoi. Ouais. Ah, ouais, ouais, il faut en écouter un petit peu. Il a fait plein d'albums solo, il faut en écouter un petit peu. Et ce qui est, il y a un petit détail qu'il faut que je précise, c'est que moi je le joue justement en manière un peu funk avec l'ouverture sur le 3, mais lui il me disait, lui préférait sur le 2. Voilà, donc ça on est toujours en Afrique, hein, c'est sympa comme tout. Et là, donc j'ai dit quoi moi après oui, on va aller. Ah oui, là il y a une petite coordination que je voulais faire, mais vu le truc, on va passer directement. À la réunion, puisque c'est à côté, je la ferai après, puisqu'elle a plus de rapport avec ce que je voulais faire après. Organise-toi comme tu veux. Voilà. Moi, je te fais une confiance aveugle. Voilà. Alors, à la réunion, donc j'arrive là-bas, machin, je commence à écouter la. Là, t'as quel âge quand t'arrives à la réunion ? 27 ans. 27 ans, qu'est-ce que t'avais foutre là-bas ? Ben, me changer les. Ben, j'avais fait un peu le tour ici, en fait. J'avais fait un peu le tour. On jouait, bah d'ailleurs, maintenant je rejoue dans les mêmes endroits. Bah ouais. Des fois ils ont changé de nom. Voilà, ça a changé de nom. Mais c'est les mêmes endroits qu'ils font jouer. Non, j'avais besoin d'un peu d'air, puis voir ce qui se passait ailleurs, quoi. Donc j'arrive là-bas, je mets la radio, je vais au marché parce que c'est là où on voit vraiment la vie du truc. Putain, je comprenais rien, quoi. Mais rien. Pourtant, je pense que je jouais déjà depuis un moment. Et je fais, c'est pas possible. Comment ils pensent l'affaire, quoi. Alors je me suis un peu renseigné, puis j'ai commencé à jouer dans des groupes là-bas. Et dont un groupe à la fin qui était super, qui s'appelait Tibois, qui existe encore d'ailleurs. Là j'ai beaucoup appris parce que c'est beaucoup de musique ternaire. Nous ternaire on se dit bah, suite, machin. Oui. Mais en fait eux, ils ont une autre appréciation du truc. Et c'est comme un shuffle, mais le shuffle on joue, c'est un triolet, on joue le 1 et le 3. Voilà. 1, 3, 1, 3, 1. Et ils jouent 1, 2. Un 2 et pas le 3.
Et c'est vrai que tu as l'impression qu'il tourne à l'envers le leurre en fait. Ouais. Mais alors, c'est ce que je leur ai dit. Et puis non, c'est le tien qui tourne à l'envers. Nous, il est bon. Moi, je viens d'une grande métropole, il y a plus de monde. Vous, c'est petit, donc c'est moi qui ai raison. Ouais, je vois très bien l'esprit. Voilà. Donc c'était trop bon. C'était trop bon. Et non seulement ça, et en plus, ils accentuent. De toute façon, je vais le montrer en groove. Ils accentuent le 2 et le 5, vous imaginez, d'un sextolé. Et ça, c'est redoutable. Nous, quand on apprend à sextoler, on fait ça. Et eux, c'est ce que je te faisais tout à l'heure, c'est ça. Si je ne mets pas de grosse caisse, tout va bien. Donc nous, en Europe, c'est là. C'est très assis, c'est chouette, hein, c'est chouette, ça tourne. Eux, il est là. Donc la grosse caisse, elle n'est plus sur le temps. C'est vrai. Du coup, moi, ça, alors qu'elle y est, c'est... Ben oui. Et c'est ça qui m'a retourné le cerveau là-bas, je ne comprenais rien, mais rien. Je me dis, moi, le premier temps, je pas au fond, à droite. Voilà, c'est loin, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, au lieu de perdre mes esprits, ça, je me dis, bah, je vais en jouer, puis on verra bien. Alors, ce qu'on joue là-bas en premier, c'est-à-dire c'est le Sega, c'est la musique populaire de là-bas, avec justement ce shuffle, pas inversé, mais joué à leur manière. Donc, petit remplissage de caisse claire, mais toutes les chansons que sont comme ça. Hein. Donc ça sonne. Et là, quand je mets une crash comme ça, on a l'impression qu'elle est en l'air. Ouais. Mais non, elle est sur le temps. Et c'est pour ça que ça, c'était une épreuve de comprendre. Ça m'a fait l'effet d'ailleurs quand tu l'as joué. Et non, elle est sur le. Elle est arrivée à un moment où je m'y attendais pas et le truc s'est décalé dans ma tête à moi. Le truc s'est décalé. Voilà, et c'est ça qui est génial en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître toutes les la musique du monde en général. Il y en a plein d'autres. Moi, je connais celle-là parce que j'ai eu la chance d'y aller, mais voilà. Et il y a un autre truc, donc le Sega, c'est la musique, c'est traditionnel, mais c'est aussi variété, machin. Et on a le Maloya qui là est beaucoup plus, c'est joué par les esclaves et tout, c'est une musique interdite jusqu'en 1981, sachons-le, hein. C'est quand même, ce qui est quand même un truc de fou, c'est quand même un truc de fou. Et ça a une autre sonorité à Madagascar, mais on en parlera tout à l'heure. Donc le Maloya, pareil, ça se joue, c'est beaucoup Charlie Grosse Caisse en fait, hein. Et t'as un petit groove pareil, rien qu'en entendant ça, normalement déjà tu perds le 1. Ça se joue sur 3 coups et c'est le deuxième qui est accentué. On parlait de trance tout à l'heure, ça en fait partie quoi. Pareil, j'entendais des gars, je me souviens d'un gars qui était sur le bord de mer, on appelle ça le boulevard Lancastel là-bas, il faisait ça sur une poubelle. Il était défoncé au rhum, mais en tout cas son truc tournait. Et j'entends ça, je fais putain, bah, c'est facile. Et j'arrive chez moi, j'avais le truc en tête, impossible de refaire la même chose. Donc le phrasé c'est deux droites, droite, droite, gauche, accent sur la deuxième droite. Dès que tu mets une caisse claire là-dedans, que tu comprends plus rien en fait. Ben c'est ça. Eh ouais. C'est ça. Mais c'est super intéressant. La caisse claire, elle tombe sur cette main-là. Donc tu fais ça, si tu veux la mettre de temps en temps. J'adore. Donc les grosses caisses sont placées. C'est pas des grosses caisses parce que c'est encore adapté, c'est ce qu'on appelle un rouleur, c'est une grosse percussion qui est faite à base d'un tonneau et d'une peau. Et voilà. Et les mecs, c'est souvent sur le 3 et le 1. Voilà. D'accord. Voilà. C'est sympa ça. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais. C'est sympa. Et donc pour le,
pour l'appréciation. Je vais essayer de le passer cette fois-ci, hein, parce que pareil, ça me retourne l'esprit aussi. Je t'inquiète pas pour l'appareil. D'accord. Nous, en métropole, quand on joue un gros vent sextolé, quand on met la caisse claire, c'est ce que je faisais tout à l'heure, je sais pas le foirer. Hein. Voilà, je vais essayer de pas le foirer. Et E, donc ils accentuent le 2. C'est le même groove, hein, mais c'est juste les accents qui changent. Donc ça... C'est super. Il n'y a rien à dire, moi j'adore. Et il y a juste une histoire de dynamique déplacée en fait, c'est tout. C'est ça. C'est tout, et ça change tout. Ça change tout. Et ça retourne le citron. Ah ouais, pour un batteur européen. Et d'ailleurs, c'est Carelli, il en parlait, il disait quand il a découvert ça, justement ce placement-là, souvent il fait ses... parce qu'il n'aime pas trop faire des solos, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu sa discographie, il n'aime pas faire des solos, il préfère faire des intros. Ce que je comprends, ce que je conçois aussi, parce que les solos, on est en fin de morceau, on est moitié mort, on vient d'accompagner. Oui. Le solo de basse, le solo de guitare, machin, on arrive, on peut... c'est pas qu'on n'a plus de bras, mais quand même, quoi. Et lui, il préfère faire des intros. Et souvent, dans ses intros, il commence avec cette technique-là, en fait. Ah, d'accord. Voilà, où il est tout tic-tac-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 
bien le truc comme ça, machin. Donc ils appellent ça du saleg, et le saleg c'est ça. C'est exactement la même chose. Voilà, faut pas qu'ils le prennent mal, mais c'est le même groove en tout cas. Et donc ils sont à donf là-dessus, et quand t'écoutes du saleg, c'est vrai que tu pars en sucette au bout d'un moment. C'est vraiment c'est hypnotique, c'est génial, j'adore. je vois que là on est vraiment sur ton terrain là, c'est assez rigolo. Vous lui parlez de Mike Portnoy, de Nico McBrain ou de musique ethnique et ouais. Stan est là quoi. c'est bien, mais tes élèves ils sont friands de ce genre de truc quand ils commencent à avoir un niveau un peu avancé? Oui, ils sont friands et c'est surtout à certaines dates, tu vois, par exemple, parce que j'en profite un petit peu pour leur parler de ça. Par exemple le 20 décembre, personne ne le sait, mais c'est la date de l'abolition de l'esclavage. Ouais. Voilà. Et là-bas, c'est une énorme fête. Et donc, des fois, quand ceux qui ont cours le 20 décembre, ben, on fait du mal aux gars. Voilà, parce que je trouve ça logique, en fait, que ça soit... voilà, c'était en 1848 et c'est pas si vieux que ça. Ben, au moins, ils apprennent quelque chose. Ouais. ouais. Donc ça, puis voilà, je te dis que ça dépend aussi de... Tony Allen, on le fait, mais voilà, il faut être un peu dans l'esprit, il faut avoir un peu de technique quand même, parce que sinon ça marche pas bien, quoi. Et sinon on est viré du stage? Sinon on est viré du stage, ouais. Ouais, mais... bien sûr. C'est vrai. Alors là, on va passer, on traverse l'Atlantique, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je suis pas brésilien, comme je suis pas réunionnais, comme je suis pas africain, donc il y a une manière de jouer, des fois, qui est... vraiment qui leur est propre, mais en tout cas il faut connaître ces trucs-là. Ne serait-ce que ce que c'est une clave, hein, c'est, voilà, une clave. Toi tu sais. Moi je sais. Toi tu sais tout. Je sais pas tout, mais je sais pas tout. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas jouer, mais parce que malheureusement, alors on en profite pour vous dire ça. J'en profite pour vous dire ça. Vous êtes peut-être, si vous nous regardez, extrêmement spécialisé dans un style, et malheureusement, dans ce qui me concerne, c'est le cas. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on m'a dit joue vite, joue fort, joue carré. Voilà. Et pendant 20 ans, j'ai joué vite, fort et carré. Et c'est vrai que quand tu redécouvres des choses un petit peu sur le tard, comme tout ce qu'on est en train de faire là, ouais. Je te dis pas que c'est de la cuisine. Je ne dis pas que c'est complètement ésotérique pour moi, je comprends ce qui se passe, mais j'imagine que pour vous c'est pareil. Alors en fait, il ne faut pas vous faire un monde de tout ça. C'est des choses qui se travaillent et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut rentrer dedans et on peut commencer vraiment à le faire sonner. Complètement, il faut en écouter aussi. Voilà, il faut en écouter. Déjà, après ça, par contre, oui, donc, c'est vrai qu'une clave, même si j'en joue pas, je sais qu'est-ce que c'est. Je sais ce que c'est. Donc pour ceux qui savent pas, eh ben, c'est ça. Alors les Brésiliens, ils se font pas chier, on la joue dans deux sens, comme ça c'est du 3-2 puisqu'on fait les trois premiers coups avant, et des fois on le joue dans l'autre sens, c'est du 2-3, voilà, c'est comme ça qui colle et qui caractérise le truc. Donc. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est une clave. De la clave, en fait, moi j'aime bien partir de là. De la clave découle quelque chose qu'on appelle la cascara. Pareil, c'est un groove comme ça, hein. C'est pas un pattern, mais comment ça s'appelle déjà ça? C'est un trou. Un ostinato? Un ostinato, voilà, c'est un ostinato, merci. J'ai un truc. Et la cascara, donc ça découle de ça, on peut entendre la clave dedans, mais il faut être un peu agaillardi. Ça fait ça. Au bout d'un moment, on ne sait plus où est le... Voilà. Tout à coup, ça y est. Voilà. Ça y est. Voilà. J'ai regardé ça avec plus passion de l'instrument qu'avec attention. Voilà, j'ai pas analysé. J'ai écouté de la musique et j'ai pas analysé le truc. Donc c'est vrai que j'ai perdu le 1 assez facilement. Mais je pense que c'est le but. C'est le but du truc, c'est pour que ça fasse vraiment une boucle. Ouais, voilà. Une bouclasse, quoi. Et si je rajoute un petit rimshot, ça va aller. Sur la fin, pas grave. Donc ça c'est pareil, on peut l'extrapoler sur des grooves un petit peu plus, parce que si on fait ça, on va s'embêter. Et en fait non, on peut commencer à rentrer des choses, il faut un peu de coordination, mais franchement déjà, si tu arrives à garder ça en faisant des grooves que je montrerai tout à l'heure, ça tue pour le fun, pour le rock, pour ce que tu veux, ça peut être des moments de transition, ça, c'est super.
Donc voilà, c'est toujours un mix. Alors, par exemple, pour celle-là, naturellement, le room shot, il est alterné entre ça et ça. Et déjà, ça sonne. Sympa. Tout à fait. Voilà, j'ai rajouté une petite grosse parce que ça, c'est l'esprit du truc. Voilà. Et cette cascara-là, donc on l'extirpe du Zaffer. On vient de mettre ici. Donc ça sonne un petit, forcément un petit peu plus jazz fusion. Hein. Là, j'ai fait, ça c'est juste la phrase. Ouais. Et quand on la met en boucle, du coup, effectivement, on se perd. Alors, donc ça va donner ça. Si on met des grosses caisses, si on charge la cascara de grosses caisses, ça peut sonner aussi. Donc on était là. On n'est pas du tout au Brésil. Mais la source, elle est là-bas. Elle est là-bas. Donc, on prend un truc, et puis on le sort de son merde. De son contexte, et puis après on fait ce qu'on veut, c'est toujours pareil. Ça, c'est des choses qu'on peut même vraiment simplifier à l'extrême et garder simplement le pattern sur une ride ou sur un charlet ou sur. Pour faire une ambiance. Ou sur un stack. Et tu peux même jouer des plans de double grosse caisse, des trucs comme ça, même dans des contextes un petit peu énervés, ça marche. Hein. Ah bah oui, ça marche. Parce que quand tu l'as joué avec et que tu as remis le rimshot. Enfin le cross stick sur la caisse claire, j'ai dit oui, en fait ce truc là je le connais, je l'utilise. Oui. Ah bah tu vois. Je l'utilise. Donc c'est pour te dire que finalement c'était pas si mystérieux ni nébuleux que ça. Non. Mais appliquer à un contexte plus musique mainstream et musique ethnique, effectivement tu peux vraiment l'enrichir et faire des choses vraiment intéressantes avec le tom et tout, c'est vraiment super bien. Bah c'est l'éclat, c'est comme la samba quand on joue ce genre de groove. Bon, c'est vrai que la batterie, quand on joue, enfin c'est le cas souvent, quand on joue tout seul, qu'on accompagne des groupes, c'est pas le même. On peut pas s'éclater comme ça, ça prend trop de place. Oui, c'est vrai. Ça prend trop de place. Par contre, quand on joue tout seul, qu'on veut s'amuser, qu'on fait ce genre de choses, déjà, bon, même pour la coordination, c'est cool. Et puis, on s'amuse vraiment, tout en travaillant. C'est beau, hein. C'est beau. Et c'est pour ça que tu viens le matin. C'est pour ça que je viens le matin, parce qu'il faut avoir le citron un peu frais quand même. Hein. Voilà. Et après, quand t'es fatigué, tu reçois des élèves. Salaud. Mais non, c'est beau. C'est un prof qui maintient son niveau, qui essaye de s'améliorer sur plein de trucs, et qui, une fois qu'il a bossé pour lui, transmet des choses à ses élèves. C'est quand même assez rare, parce qu'il y a plein de profs qui ne travaillent plus leur instrument, il y en a plein. Ah ouais, mais tu peux pas faire. Enfin, pour moi, je peux pas faire ça. C'est pas possible. Tu donnes trop ça de toute façon. Oui, voilà. Et d'ailleurs, celle-là, j'ai jamais réussi à la transmettre. Je dois la transmettre à toi parce que là, c'est un peu trop tordu. Justement, de cette cascara-là découle un autre rythme. On peut voir ça comme une coordination. Je vais te la faire là. Donc, c'est un mix entre la clave, un plan de percu hop, que nous, on fait sur les tomes. Et puis... La fameuse samba. Alors là, c'était le... C'est plus songo. Ah, le songo, ouais. Attends, on est pas à l'abri. La langue à fourcher. C'est comme ça, c'est peut-être. Alors ça commence comme ça, la clavelle.
Ça, tu vas le breveter, ça. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est... C'est chouette, ça. Ça, tu l'as pas piqué à quelqu'un, ça, du coup. Non, ça, c'est un mix. Voilà. Bah, tu, toi, tu peux le breveter, ce truc-là. Bah, je brevette. Tu, comme l'intro de 50 Ways to Leave Your Lover, tu peux le breveter, ce truc-là. C'est bien. Ah, c'est ça, non? Ah, ouais. Ouais, ça sonne de suite. Puis le fait d'ajouter les couches par couche, ça fait un effet sympa. Pareil, ça c'est pour moi que je le fais. C'est vrai qu'un élève qui vient, il arrive à 11h du mat et tu lui dis bon, on va attaquer ça, je pense qu'il transpire. Ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est pas la peine. C'est pas la je peine. Pense qu'il transpire un petit peu. Je comprends. Je me suis mis à sa place, je me suis dit bon, je me suis imaginé sur la DW Design là-bas en train de me dire bon, ben ouais. Je vais coordonner mes trucs, bon, une clave, un songo, des percus, mais jouer avec la main gauche. Pff, ok. Ouais, je. Ouais. Faut faire fi de tout ça. Non, mais il faut tu le. Tu manges un croissant et tout. Il faut aussi le prendre. Exactement, il m'en reste un. Il faut aussi le prendre comme un moment de découverte de plein de choses et de se rendre compte que tout ça, ça sert, puisqu'on peut le mélanger dans plein de contextes et que ça peut se mélanger avec ce qu'on disait tout à l'heure de la musique occidentale, puisque nous, c'est complètement ce qui nous fait manger quand on bosse, ou ce qui nous fait jouer, surtout dans des groupes ici, bah, c'est souvent la musique occidentale. Et ça t'a dit que t'allais en parler, l'occidentalisation de. Et bien justement, ouais, c'était le plan de tout à l'heure, je l'ai déjà fait. C'est la différence entre le sextolé qu'on fait nous en accentuant le 2 et le 5. Voilà. Tout à fait. Et du coup, je peux le refaire si tu veux, mais c'est vrai que c'est l'exemple le plus flagrant. Ah ben refais-le juste sur le charlet qu'on se rende compte. Alors, il faut que je. Donc, à l'européenne, on est là. Comme quoi, avec des dynamiques, parce qu'on se dit, j'ai un charlet, j'ai trois sons, j'ai charlet fermé, charlet ouvert, charlet semi-ouvert. En fait, faux, il y a plus de sons que ça. Parce que chaque dynamique que vous utilisez, bah, c'est un son différent. Ben ouais. Et rien que là, à la preuve, on n'a que du charlet fermé avec des dynamiques. Ouais. Et c'est ça que je trouve, c'est ce genre de petits détails-là que moi j'adore. Quand tu déplaces un accent, tu fous tout le monde, enfin, tu surprends l'oreille de tout le monde en faisant juste une petite chose. Quoi. Mais tout à fait. Voilà. Alors du coup, on était parti là-bas, au Brésil, et puis après j'avais prévu de faire, un peu de reggae peut-être. Ah mais alors oui, alors parce voilà. Que figurez-vous Monsieur Coron, que on m'a déjà posé la question. On m'a dit, ce serait bien d'aborder un jour le reggae parce que c'est un style un petit peu particulier à jouer, et y a beaucoup de gens qui n'en jouent pas régulièrement parce qu'ils n'ont pas de groupe de reggae à proprement parler, mais qui aimeraient pouvoir maîtriser un tout petit peu de reggae, quelques bases, quelques balbutiements de batterie reggae, ben voilà. Parce qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de contextes dans lesquels on peut incorporer quelques éléments de reggae sur un break, sur un machin. Bien sûr. Et c'est vrai qu'un reggae bien fait, à la batterie notamment, ça tue. Alors qu'un, alors que, en fait, de base, y a, tu te dis... implicitement, il n'y a pas énormément de batterie dans le reggae, il suffit de comprendre deux, trois conneries, et en fait, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, il y a beaucoup de batterie dans le reggae. Et moi, je le classe en cinq solutions différentes en reggae. Déjà, bon, ben, la grosse caisse sur le 1, c'est fini, il faut oublier. Oui, parce que ça, c'est... la caisse claire sur le 1, si on veut, mais en fait, il faut se mettre en mode reggae. Tu mets la cartouche reggae et normalement, ça passe. Donc, grosse caisse sur le 1 en reggae. À part peut-être pour le début du morceau, mais sinon ça se fait pas. Et ensuite, tu as le mode. En fait, on va partir comme ça. En binaire, pour moi, il y a deux modes. Donc, soit tu as la grosse caisse sur tous les temps, et donc le charlet qui suit, le one shot sur le 3. Ça, c'est le mode lourd binaire. Donc, tu seras là. Ça, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Pareil, t'as vu les breaks que je fais, il ne faut jamais repartir comme ça. Mais sinon, caisse claire contexte. Pour repartir. Caisse claire, soit sur le temps, soit en l'air.
on est dans l'Est. Complètement. Voilà, on est dans l'Est. Je m'y suis vu, il manquait que la reverb. Que la reverb. Parce que la reverb est sur tous les temps, par contre. Ça, c'est important. Le reggae, la reverb partout. Hein. C'est vachement important. Voilà, donc ça, c'est le mode lourd, binaire, grosse caisse sur tous les temps. Décroche ici, et puis là, donc le 3. C'est vraiment la base. Après, on articule différemment au niveau du charlet. Et donc, les breaks, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Le mode light, binaire. Que le 3. Voilà, mais il y a toujours le départ donc, au charlet, qu'on appuie surtout pas avec la grosse caisse. Sinon, on le voit bien dans le morceau de Ben Harper, Jaworks. D'accord. Il commence, j'ai raté. Il commence avec une splash. Alors, ce qui est dur là-dedans, c'est la. Il faut bien respirer et c'est la notion d'espace en fait. Il faut laisser. Bah ouais. Faut laisser de l'espace, sinon c'est pas beau. Et parce que jouer lentement, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. C'est-à-dire que vous allez jouer. Vite, c'est pas facile non plus, mais jouer à un rythme de croisière autour de 110, 120, ça va. Dès qu'on commence à descendre dans les 90, 80, 70, alors là, ça devient vraiment une agonie. Ah, le reggae est une musique qui est assez lente. Oui, oui, à part quelques tubes. Enfin, pas toujours. Pas toujours, à part quelques tubes, mais franchement, ouais, normalement, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Et là, on le voit bien. Donc, ça, c'était en binaire, donc t'as le mode lourd et le mode light. Et bah, pareil en ternaire. D'accord. Donc, tu prends par exemple Master Blaster de Wonder, on en a déjà parlé. Hein. Et ben, pour moi, c'est le mode lourd, pas dans le sens de la musique est lourde, hein. Il y a beaucoup de coups. Donc, c'est la grosse caisse sur tous les temps, avec ici ben, le shuffle en fait. Shuffle, après en phrase sans le vin. Ça, c'est un truc qu'il a enregistré lui-même à tous les coups en plus. Ah, ouais, je crois, ouais. Alors là, j'ai pas fait ce qu'il a fait, mais c'est par contre, c'est inspiré. Oui, oui. Moi. C'est plus qu'inspiré, c'est, ouais. C'est à peu près ça, quand même. Ouais. Ouais, je peux le faire et il attaque comme ça. Oh, t'as dû la jouer dans un pub une paire de fois celle-là. Un peu, ouais. Ouais, je pense que ça, t'as dû le jouer dans des pubs même avant de partir à la Réunion et bizarrement même en revenant. Même en revenant, ouais, je le joue toujours. Par contre, c'est un morceau dont on n'a jamais marre, je trouve, moi. Enfin, à jouer en tout cas, à entendre peut-être. Mais c'est toujours agréable. C'est quoi le pire morceau? Celui dont t'as vraiment marre que tu veux plus jouer? Voilà, moi c'est la grange. Ce qui est vrai, c'est que t'as une réponse directe. Moi, c'est I Wait Well. Ah ben voilà. Bah moi si tu me demandes de jouer I Wait Well, je dis non. Je refuse. Et pourtant, bizarrement, il y a un groupe dans lequel je chante et le seul morceau que je fais à la batterie, c'est I Wait Well. Et bah tu vois. Voilà, mais parce que c'est rigolo et que voilà, il y a un petit spectacle, un petit sketch devant, c'est le fameux Ludo dont on parle, que vous avez vu dans la vidéo sur les endorsements. Ah oui. Qui est le batteur de ce groupe-là et qui, à la fin du concert, ne fait que chanter un morceau. I Wait Well, en plus il chante mieux que moi, c'est terrible. Et il le chante merveilleusement bien. Et donc moi je fais la batterie en tapant comme un âne. Et c'est très rigolo, mais je peux plus écouter ça quoi. C'est plus possible. Ah ben non, c'est plus possible. C'est plus possible. Et Sébastien Camille, que vous avez vu du studio Art Music, lui m'a dit je fais partie de ces batteurs qui ont joué I Wait Well plus souvent que Phil Rudd. Parce que je fais 100 dates par an depuis 10 ans et que sur les 100 dates par an que je fais, je joue avec Wait Well, donc j'ai dû la jouer 1000 fois quoi. Ah bah au moins. Mais c'est rigolo. Faut le prendre comme un standard. Ouais, ah bah ouais, la grange. Ah là, ouais, la c'est rigolo de jouer à la grange, je peux dire ça aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Au moins il y a un shuffle dans la grange. Oui. Tu veux prendre avec Wait Well, même pas. J'ai rien contre ZZ Top, mais je Est-ce que tu l'as joué samedi soir? Non, j'ai joué à Youtube par contre. Ah merde. Quelle horreur. Mais c'est le public ça, c'est eux qui sont responsables oui, de ça. De... Passez à autre chose les gars, merde. Sérieusement. Alors, et la dernière, donc là on a fait la version lourde du ternaire et la version light, que moi j'aime beaucoup.
et ben on enlève ben, toutes les grosses caisses, on laisse que la troisième. À laisser de l'espace, pas mettre ce putain de 1, c'est interdit. Ah ouais. On le met pas. On le met pas, on le met pas. Parce que si on le met, on n'est plus dans la game. C'est ça. Ah, ça, il y a des codes. Voilà. Donc là, on a les 4. Pour moi, hein, c'est moi qui ai fait cette analyse-là. Hein. C'est pas, il s'est pas marqué quelque part. Et il en reste un. Par exemple, ça peut être Could You Be Love ou l'époque un peu plus électrique de Peter Tosh. De toute façon, il faut en écouter. Hein. Donc là, c'est tout simplement ou Steel Pulse aussi. C'est plus binaire, ça a l'air plus simple. Ouais. À l'écoute, en tout cas, c'est plus simple. Voilà, mais principalement, c'est à peu près tout pareil. Et là, c'est juste, t'as le Jack, tu marques tout le temps, comme d'habitude, et t'as le Charlet en 3 double, avec accentué par contre sur le 3. C'est ça qui fait tout, comme on en parlait tout à l'heure des accents. Bah c'est ce que tu dis, c'est la période plus électrique de Peter Tosh, simplement le genre de rythme qui fait la transition entre le reggae traditionnel et son passage vers le côté un peu plus populaire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc là, il y a les cinq modes, voilà, en gros, il va y avoir d'autres choses, mais bon, ça... Bah déjà, si vous maîtrisez tout ça, c'est fantastique. Ouais, déjà, c'est pas mal. Et du coup, bah, je crois que je suis arrivé au bout d'aujourd'hui. Ah, eh ben écoute, formidable. Franchement, on a appris des tonnes de trucs. J'avais pas la liste. Hein. On a appris des tonnes de trucs. Moi, j'ai vu des tonnes de choses. C'est vraiment super. Et toi, tu conseilles à tes élèves de s'orienter un petit peu vers la world music, au moins par curiosité? Oui, par curiosité et parce qu'il y a de très belles choses. Et puis, en fait, par world music, donc c'est le terme approprié pour ça, apparemment. Et moi, je considère en fait la world music. C'est des morceaux qui touchent tout le monde, finalement. Donc ça peut être, par exemple, bah justement, Could You Be Love, tu vas au Népal, je pense qu'ils connaissent Could You Be Love. C'est pas possible. Tu vas en Laponie, ils le connaissent, à Cuba, ils le connaissent. Donc finalement, ça, c'est dans cet esprit-là que moi je vois la world. C'est pas dire c'est ethnique, mais bon, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà. Comme dirait Jean-Claude, ça dépend de ton brain. je ne sais plus quoi faire de lui. Je ne sais plus quoi faire de lui. Voilà, Stan, donc, bah, écoute, Stan, merci. Tu sais déjà sur quoi tu vas t'orienter pour le 27 février, car tu es celui qui fera l'ouverture le 27 février. Je sais l'ouvert. Ouais, je sais déjà un petit peu. Je sais déjà, je vais être obligé de jouer de la batterie plus que là, de toute façon, parce qu'il faut... Ouais, il faut ouais. Donc je me prépare un petit peu, je vais faire des cycles, j'ai écrit 2-3 trucs, mais j'ai écrit Georges de la Jungle, c'est vrai. Ah c'est génial. Voilà, non, c'est pour avoir des idées. Et il sera 15h15, Georges de la Jungle, mais venez. Tu vois, ça... Je vois tout à fait. Et puis il y aura sûrement Nicolas Claus avec une basse ou contre basse, on ne sait pas encore. Mais... Les deux. Bon, les deux, je pense qu'il viendra m'épauler à la fin quand je serai à l'agonie, en fait, en manque de substance. Et, bon, après, tu sais, il y a des gens qui vont te poser des questions. Oui, je pense aussi. Non, mais je vais mixer plein de choses, que ce soit inspiré, bien sûr, comme j'en fais beaucoup en ce moment. Il y aura de l'esprit, hein, je parle. Il y aura du Portnoy, il y aura du Maceo, tout ça. Et tout du reggae, des musiques latines, machin, tout sur une session de, on dira, 10-15 minutes pour introduire. Et ça devrait être pas mal. Ça va être énorme.